Ce que vous avez vu avec longueur, c'est la traduction de ce que ces gens-là ne veulent pas nous voir vivants. Il dit que ce que vous avez vu avec longueur, c'est la preuve par mille. Mais je voulais vous dire que ce que vous avez vu avec longueur, c'est parce que peut-être c'est longueur. C'est peut-être parce que longueur a la chance, au moins d'être tombé sur sa vidéo. Sinon, les situations pareilles, on vit ça dans ce pays tous les jours. Mais ce qui est intéressant à retenir dans ce que j'ai vu, c'est que ces gars affichent à travers cette vidéo leur volonté de ne pas nous voir vivants. Leur volonté de ne pas nous laisser leur proposer autre chose que leur dictature. Ces gars-là affichent à travers cette vidéo le fait qu'ils nous obligent à marcher selon ce qu'ils nous imposent depuis ces années-là. Ce qui est intéressant avec ceux qui font du mal, c'est qu'ils sont constants dans la méchanceté. Ceux qui font du mal sont constants dans la méchanceté, dans le mauvais. Mais nous qui faisons du bien, on est tout le temps en train de lâcher, en train d'abandonner, en train d'appeler Dieu. Oh, on laisse tout à Dieu, on n'a rien à laisser à Dieu. Le problème de ceux qui font du bien, c'est qu'ils abandonnent vite. Ceux qui font du mal insistent avec la méchanceté. C'est-à-dire que les gars vous torturent, les gars vous méprisent, les gars arrivent à vous détruire au point où vous n'avez pas d'autre possibilité que de mourir. Mais nous qui faisons du mal, on abandonne. Nous qui faisons du bien, on abandonne vite. On n'insiste pas avec le bien. Vous voyez ça? Nous qui faisons du bien, on abandonne vite. On te dit qu'on laisse à Dieu. On laisse quoi à Dieu? Dans ces situations-là, Dieu lui-même décide d'être spectateur pour voir qui soutient le mieux sa thèse. J'ai envie de savoir si nous qui faisons du bien, nous pensons vraiment à ce bien, nous sommes capables de défendre ce bien. Je vous dis une chose. La vidéo de longueur devient virale parce qu'on a partagé, parce qu'on a décrié, parce qu'on a insisté en disant c'est pas normal, on n'acceptait pas ça. Mais souvent à côté de nous, on tue quelqu'un. On donne l'impression que ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que nous qui faisons du bien, on traverse dessus, on dit ah, gars, si on dit, ils vont nous tuer. J'ai déjà dit à ceux qui veulent me comprendre. Celui qui fait du mal, souvent, ne sait pas pourquoi il fait le mal. La fille est juste méchante. Mais ces gens-là, s'ils veulent vous tuer, que vous dénoncez ou pas, ils vont vous tuer. En fait, ils ne savent que faire ça, faire la méchanceté, faire le mal. Si les gars veulent vous tuer, ils vont vous tuer. Ce n'est pas parce que vous ne dénoncez pas qu'ils vous tuent. Vous n'avez pas encore vu ce qui se passe autour de nous. Souvent, vous vous battez, vous parvenez à installer un comptoir avec 10 000 francs de fonds de commerce pour gagner peut-être 1 000 francs par jour. Mais quelqu'un pas demander au féticheur de lui donner le fétiche pour gâter ton comptoir. Il paye 100 000 pour venir gâter un comptoir de 10 000. Non, le méchant n'est pas dans les calculs. En fait, je crois que le problème avec nous qui pensons faire du bien, c'est que on abandonne très vite. On n'est pas tenace. On n'insiste pas. Et j'ai l'impression que nous qui nous considérons comme des faibles, on accorde trop d'importance à la vie. On a tellement envie de vivre, on a envie de mourir, on a peur de mourir, on a peur de mourir, de perdre la vie, au point où on n'arrive à faire aucun combat. Pourtant, la vie ne dépend pas de nous. Pourtant, la vie ne dépend pas de nous. Les choses que nous ne maîtrisons pas, nous accordons tellement d'importance. Mais je dis, qui sait quand il va mourir? Qui de nous là sait si dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans la prochaine minute, il va quitter la vie? Mais on a tellement peur de mourir, on a tellement peur. On n'arrive à rien faire. On n'arrive à rien poser comme acte. On a peur que non, si on ouvre la bouche, vraiment, ils vont nous ôter la vie. Mais est-ce que les gars veulent savoir si vous avez dénoncé pour vous tuer? Je vous dis que celui qui fait du mal, a pour fonction fait du mal. Hein. Ces gars ont pour option nous voir souffrir, nous détruire. Et nous, on doit lutter pour ne pas les laisser prospérer. On est tout le temps dans l'abandon. On est tout le temps dans la fuite. On fait une fuite en avant. Non, ah, il faut voir nos enfants grandir. Comme si l'avenir de ces enfants dépendait de nous. Comme si c'est nous qui décidons notre destin sur cette terre. Bon. Moi, je suis étonné quand je vois des gens qui me disent tout le temps, oh, tu dénonces trop, sache que tu mets ta vie en péril, sache que tu mets ta vie en danger, sache que... Et moi, j'ai envie de leur dire une chose encore aujourd'hui. En réalité, l'artiste n'est pas censé subir son environnement. Non, non, non. C'est-à-dire, je suis étonné. L'artiste n'est pas censé subir son environnement. En réalité, l'artiste est censé être, moi j'ai envie de dire ça, un orientateur, être quelqu'un qui décide même des décisions de son environnement. Parce qu'un artiste qui subit son environnement, il n'est plus un artiste. Mais on dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et on dit qu'après Dieu qui a créé, il n'y a que les artistes qui créent. Parce que les autres ont inventé. Mais les artistes créent. Ils créent l'œuvre de l'esprit. Ils créent. Donc les artistes sont des petits seigneurs. Je veux bien comprendre comment est-ce qu'un artiste se retrouve à subir son environnement. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, la qualité de vos œuvres détermine exactement l'environnement que vous souhaitez pour vous-même. La qualité de l'œuvre que vous mettez à la disposition de vos consommateurs détermine exactement l'environnement que vous souhaitez pour vous-même. Un artiste devait être quelqu'un qui impacte son environnement. Un artiste devait être quelqu'un quand il donne sa voix, ça change quelque chose dans la vie. Un artiste devait être quelqu'un quand il ouvre sa bouche. Le pays réfléchit sur ce qu'il a dit. Mais chez nous, on a des artistes qui demandent de l'aide, qui demandent qu'on les couvre. Souvent, quand tu vois un artiste pleurer, quand tu vois un artiste demander, avoir peur et demander qu'on le protège, tu as envie de dire, mais attends un peu, et ceux qui te voient comme un Dieu, comme un Seigneur, parce que l'artiste est un Seigneur. Et ceux-là, en ce moment, est-ce qu'ils doivent encore avoir espoir? Est-ce qu'ils doivent encore croire quelque chose? Moi, je dis à ceux qui font ce qu'ils font là, à ceux qui font ce qu'ils ont fait à longueur et bien d'autres qu'on ne dénonce pas, à ceux qui font ce qu'ils ont fait à Matinée Zogo,
il faut qu'il sache une chose. On n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. C'est-à-dire que, qui ne rentre dans l'histoire se rend compte qu'il y en a qui sont morts. La vie est comme ça, elle est comme ça faite. Vous allez continuer de tuer, il y aura toujours ceux qui vont continuer de dénoncer. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous attelez à perdre du temps à tuer quelque chose qui ne va rien empêcher. Vous avez tué Oumnyobé, non? Vous avez tué les Enes Wandi? Vous avez tué les dieux de Nafana? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que les matinés ne sont pas nés? Est-ce que d'autres combattants ne sont pas nés? Est-ce que d'autres qui pensent que l'Afrique n'est plus au niveau où on doit se faire esclave par nos propres frères africains, est-ce qu'ils ne sont pas nés après? À quoi ça c'est bon de perdre le temps sur ces gens de choses? Moi je crois que le problème pour nous qui pensons être des bonnes personnes, c'est qu'on refuse de faire suffisamment d'efforts. On refuse de lutter. On refuse de faire ce qu'on a à faire. Parce qu'on a peur. Pourtant en réalité rien ne dépend de nous. Moi j'ai un voisin qui a fini de dîner avec sa famille, il allait se reposer pendant que les autres étaient au salon pour regarder la télé. Et 2 heures après, on a eu dans la chambre, il était mort. J'ai bien envie de demander à ceux qui ont peur de mourir, a-t-il dénoncé quelque chose? Si je dis que je n'ai pas peur en tant qu'homme, c'est un mensonge. Mais je ne peux pas avoir peur autant de ne pas être en harmonie avec moi-même. Je ne peux pas laisser une justice se faire sans dénoncer parce que j'ai peur. Parce que j'ai l'impression que je vais mourir pour avoir trahi la cause pour laquelle je défends. J'ai l'impression que je vais mourir pour n'avoir pas été en harmonie avec moi-même. Parce que vous êtes plus bien, vous êtes plus heureux quand vous êtes en harmonie avec vous-même. Quand vous avez l'impression, vous avez la conviction d'avoir fait ce que vous avez à faire. Je veux bien comprendre. Même le coq avant de mourir tape ses ailes. Même le coq avant de mourir tape ses ailes. Je vois les hommes qui disent non, car ils sont comme ça. Ils sont méchants, ils sont mauvais. Leur rôle s'est détruit, leur rôle s'est tué. Mais nous alors? Si notre rôle s'est fait du bien, faisons du bien. Je dis bien que c'est parce que les gens ont dénoncé la situation qui est longue en majorité, avec une grande énergie. C'est parce que les gens ont dénoncé cette situation avec une grande énergie que ça a l'effet que ça a aujourd'hui. Et si on utilisait la même énergie à chaque fois lorsqu'on a une situation, lorsqu'on veut dénoncer une situation, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, lorsqu'on n'est pas d'accord avec la façon de nous traiter, de nous gérer, si on utilisait la même énergie, si on était en bloc, comme on était en bloc pour dénoncer ce qui est arrivé à Longue, on n'en serait plus là. On n'en serait plus dans cette dictature. On n'en serait plus dans cette souffrance. On y est encore parce que quand ça arrive à Black, on estime que c'est Black Oya. Quand ça arrive à tête, on dit que c'est tête autre. Ce qui est bien avec ceux qui font du mal, c'est qu'ils sont solidaires, ils sont ensemble. Nous qui faisons du bien, on est trop dispersés. On n'est pas solidaires. On n'est pas ensemble. On ne sait pas bousculer les lignes. Si on dénonçait, si on utilisait l'énergie qu'on a utilisée pour Longue, si on utilisait ça chaque fois lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Si en allant aux urnes, si en allant s'inscrire, on utilise la même énergie en se disant trop c'est trop, on va s'inscrire dans les codes d'inscription sur les listes électorales. Si en allant aux urnes, on va aux urnes en disant non trop c'est trop et tout. Si on y va avec la même énergie, si on y va avec le même bloc, si on y va avec la même vision, la même force, on va sortir de cette situation. Parce que tant qu'on va continuer de se dire que oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ceux qui font du mal nous feront toujours subir le mal. Et nous qui faisons du bien, allons continuer de subir en disant qu'on laisse à Dieu. Mais Dieu, c'est comme un père qui a des enfants. Il sait que l'enfant, c'est mal intentionné. Il sait que c'est bien intentionné. Il a bien envie de voir qui défend le mieux sa thèse. Si nous disons que nous faisons le bien, mais défendons notre bien pour que Dieu lui-même nous accompagne, on va pas seulement rester là, on laisse tout à Dieu. Dieu, c'est un guerrier, c'est un combattant. Non, faisons ce qu'on a fait. Pourquoi on donne la force au mal? Pourquoi on accorde l'importance au mal? Parce qu'en ne rien faisant, on accorde l'importance au mal. Il faut savoir une chose, rien ne dépend de nous. Comme j'ai l'habitude de dire, doucement, on n'est pas pressé. Easy. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous avez le centre de formation GESPRO à Kribi. Pour ceux qui veulent se faire former dans les métiers de douane, transit, déclarant en douane, vous avez le campus de Kribi qui est disponible, centre de formation GESPRO. Allez vous inscrire. Profitez de la rentrée qui commence ce mois de novembre. Profitez, formez-vous. Parce que vous avez la chance d'être formé parce qu'ils sont liés à l'activité. Donc, vous êtes à plus de 80% de pratique. Et vous avez la chance de sortir de là, aller directement à l'emploi. En tout cas, puis l'engagement, doucement,